La Sogashi, société gabonaise de chirurgie, réunie depuis le 28 octobre devant les experts et les invités de Mahak sur la thématique innovation technologique en chirurgie, a honoré sa clôture ce 30 octobre 2021 à travers des ateliers et exposés. Des experts sous le regard et prises de notes des participants venus du Grand Libreville de l'intérieur du pays. Ce premier congrès, ce que nous pouvons retenir, c'est que nous avons pu travailler et échanger sur le thème que nous avions choisi, c'est-à-dire les nouvelles innovations technologiques en chirurgie au Gabon. Nous savons que la chirurgie évolue et que de plus en plus on tend vers ces techniques qui permettent donc d'être moins agressif sur le malade et de réduire les coûts. Les coûts en termes de longueur d'hospitalisation, des médications en post-opératoire. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier les organisateurs de ce congrès et en particulier notre maître à nous tous, le professeur Ondondon, qui nous a beaucoup formé sur le plan de la pédagogie, parce que l'enseignement, c'est d'abord la pédagogie. On ne peut enseigner que quelqu'un qui est bien imprégné de pédagogie. Alors, ce congrès a des objectifs. Faire participer aux congressistes à la technique de communication, comment présenter une communication scientifique, mais également apprendre les outils pédagogiques, parce que pour enseigner, il faut avoir une bonne pédagogie. Dans le cas contraire, vous n'allez pas transmettre les connaissances nécessaires, utiles pour les étudiants. C'est dans le respect des mesures barrières liées à la pandémie mondiale du COVID-19 que les congressistes ont reçu les parchemins de participation de ce premier congrès du chirurgie au Gabon. Nous notons que l'organisation a facilité la presse nationale et internationale de faire son travail. Au finish, c'est dans une ambiance bon enfant que les congressistes se sont retrouvés à partager des numéros de téléphone et certaines expériences pour enfin unir les forces dans le domaine de la chirurgie.